Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kmelan, Europa Universalis 4 en multi. Et bonsoir Damned. Et bonsoir tout le monde. Alors, on était à la veille d'une guerre avec le jaune pour de nouveau. Alors, ce que je vais juste faire, c'est replacer mes troupes du coup, parce que je vois qu'il a une armée là, donc on va en profiter pour lui défoncer, ce sera fait. Mamelouk ne rivalise plus. Parfait, très bien. Alors, si c'est bon pour toi, moi j'attaque. Hein. Alors attends, hein, le Tiberstener. Les Mamelouks m'ont déclaré comme rivaux. Tiens, ils m'ont enlevé comme rival pour te déclarer toi, ça c'est marrant ça. Ouais, c'est, je vois pas trop l'intérêt. Je regarde, non, moi en rivaux, j'ai qui? Si je voulais changer, pour prendre les Mamelouks, je garde ce que j'ai. Hein. Ok, moi c'était avec mes troupes qui étaient... Tu déclares la guerre à tu m'as dit... Alors là, ça va être... Transoxiane et Jaune Pour. Ah, intéressant. Donc c'est sûrement sur mon côté que ça va le tabasser le plus fort. Alors je vais annihiler les armées du Jaune Pour assez vite, je pense qu'il doit pas avoir grand chose d'autre que ça. Jaune Pour... Il a 74 000 hommes quand même, mais zéro réserve, donc je pense qu'une fois qu'on aura dégagé ces 40 000 hommes qui sont là, il va faire la gueule. Non, bah ça marche, moi y a pas de soucis, je vais me jeter sur son fort le plus proche dès la début des hostilités. Comme ça. Je pense que j'essaierai d'arracher une humiliation au Jaune Pour vu que c'est mon rival, parce que je suis plus qu'à 58 de démonstration de force, ce sera l'occasion. Donc du coup, alors toi, t'as décidé de... on peut appeler lui... on peut appeler mon magnifique allié. Bah du coup on va appeler tout le monde, allez Biapas. Viens profiter de la fête. Biapas. Là-bas, là, tout au fond. Ah oui, d'accord. Ouais, le truc qui est derrière Hormuz, je m'étais allié à lui parce que c'était un allié intéressant contre Hormuz, mais du coup, c'est effectivement un allié intéressant contre la Transoxiane aussi, pour le coup. Ouais. T'as toujours la grande horde qui subsiste entre la Transoxiane et la Russie. Ouais. C'est un petit peu dans le mal. Ah bah, tu m'étonnes. Alors, est-ce qu'on prend une conquête ou une guerre sainte? On va prendre une guerre sainte, hein, pour ne pas changer. Sinon je peux prendre une conquête pour mon vassal, mais on filera au vassal, mais on va quand même prendre une guerre sainte. Ça nous permettra de faire des fights. C'est ça. Bon bah si t'es prêt, c'est parti. Alors ici on va peut-être mettre un commandant par contre. T'es qui toi? Première armée. Hop, viens là. Voilà, 34 000 hommes avec un commandant 2 étoiles contre les 3000 Nagora là. Ça va les détendre. Ici, il va falloir... tu peux passer... Ouais, t'es en vitesse 2, c'est parfait. C'est bon, je viens de le faire. 2 secondes, voilà, le jaune pour rejoint. Et ça va être mieux pour programmer, effectivement. Je peux pas l'attaquer parce que j'ai pas l'accès militaire sur le Bengale, sérieux. Puis il veut pas me le donner, bien sûr. Ah, je suis super triste, quoi. Je peux pas lui sauter dessus, quoi. Bah tant pis, on va aller sauter sur ce fort, hein, du coup. Et en fait, il y avait que 16 000 hommes. Pas 34 000, c'était qu'il y avait 20 000 Bengali en dessous, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ouais. Les bateaux, on en a pas besoin, c'est une guerre purement terrestre, donc du coup, c'est parti. Ici, on va rester dans le coin avec ses troupes, au cas où la Transoxiane décide de se pointer. Et puis, c'est parti, on peut y aller. Hein. Du coup, on n'aura pas un fight immédiat, c'est bien triste. On va essayer de le choper quand il va ressortir là. Ça. Alors où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fout? Il venait. Qu'il fait il venait sur Dama. Il peut aller à Dama. Écoute, dans ce cas-là, ouais, demi-tour. Je vais essayer d'aller là pour le choper moi. Ouais, non. Il est où? Ouais, voilà, il va là. Donc là, on va le défoncer. Il s'arrête pas. Et il change. Il a changé. Mais tu vas le choper quand même. Aussi, oui, au pire, oui. Ouais, non, je pense que là, voilà, il y a un moment. Trois armées qui le cernent. On va réussir à l'avoir quand même. Ah, il s'est replié au Bengale encore, l'enfoiré. Je suis blasé. Tant pis, parce que c'est comme ça. Non, ça y est, c'est bon, c'est fini. Voilà, là. Nickel. Je vais sur le fort derrière pour commencer. Comment ça se passe ici? Ça se passe bien, évidemment. Différents commerciaux contre les Mamelouks, on s'en fout. On va laisser 34 000 hommes là, on va les laisser en réserve pour l'instant. Dis donc, tu les éclates, hein. Quelle surprise.
Ouais, bon, par contre, là, je pense qu'ils vont se replier loin, malheureusement. Oh la vache, il y a Assam qui est en train de poutrer du rebelle chez toi, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Il s'est fait défoncer, le pauvre. Mais c'est bien parce qu'il ça me va. En plus, il en a tué assez pour qu'il puisse pas faire le siège, donc ça me laisse le temps d'envoyer une autre armée. C'est clair. Alors, attends, tranquillement. C'est quoi ça? Milice locale, perte de 5 de professionnalisme ou perte de 31 000 sur les réserves militaires. 31 000 quoi! J'ai 36 000 de réserve, je perds 31 000! Mais what? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah non, on va perdre 5% de professionnalisme quoi, c'est pas possible! 31 000 les enfoirés! J'hallucine! C'est mal hein! T'es con par contre! Alors voilà, le siège de la capitale de machin c'est fait, donc on va. Si tu veux bien me sélectionner mon armée, merci! On va commencer à avancer sur le jaune pour. Alors ici il va y avoir un fight, qu'est-ce que c'est? C'est toi contre lui. Ouais, ouais. Tu vas le défoncer. Il y a 23 000 hommes de la Transoxiane par-dessus par contre, faut faire gaffe. Et bah vous allez aller sur ce fort par exemple. Je sais pas où ils vont les mecs de la Transoxiane, mais visiblement pas dans le coin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'envoie des armées sur tous ces forts, comme ça, au moins. Il y aura dans l'os. Alors, où est-ce qu'il se replie? Loin. Les mecs, pourquoi vous vous mettez l'un sur l'autre? C'est un peu la question que je pose. Toi, tu vas t'arrêter, tu vas aller par là-bas. Histoire d'arrêter de faire de l'attrition pour pas un rond. Parce que si on a des events qui nous font perdre 31 000 réserves, autant dire qu'il va falloir être délicat quoi. Ah, il s'est replié sur moi. Ah bah c'est triste pour lui ça. Ce fut un mauvais choix tactique. C'est ça. Un mauvais choix tactique autant que technique. C'est ça. Sa gueule ou ça? Sa gueule ou ça? C'est où ça? Ah, Bilsa. Bilsa, bah pourquoi vous gueulez les gens? Mécontentement, refus de l'importation des données, on voit quand même. Ah oui, 7 d'agitation quand même. Bah ça va péter, hein, qu'est-ce que je vous dise moi. Tant pis, hein, 13k, 30k. C'est pour ça qu'on a laissé une armée en réserve, hein, j'ai envie de dire. Hop, prends-toi. Alors ensuite, ça va péter, là ça va péter, là on y va. Alors là on va être un petit peu isolé quand même. Faut pas qu'on fasse limp non plus. Le Bengale il est en guerre contre qui? L'Afghanistan, ok. Ah, il y a 50 000 Transoxiane en haut là. Ouais. Attention, il y a moyen que ça commence à faire des mouvements de merde. Oh, dans leur pyjama jaune là. Ah oui, putain, j'avoue. Effectivement. On dirait le pyjama, tu sais, du riche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hop, 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 hop. Alors là, on a 34 000 mecs qui me sautent dessus. Merde, je l'ai vu trop tard, je pense. Oui. Tiens, 47 000, tu veux dire. 34 000, c'est oui, toi. Oui, 34 000, c'est moi, pardon. Voilà. Bon, on va tester, mais je pense que si je me barre, c'est mort. Oui, en plus, j'ai qu'un seul chemin pour me barrer, donc du coup, on ne va pas se barrer. C'est quoi comme terrain? C'est terre arable. Il est tech 22, on est tech 22 aussi, je crois. Donc techniquement on devrait perdre, en plus il est en général 3 étoiles. Il faut donc qu'on envoie des renforts. Bah tant pis, on va envoyer les renforts de là. Hein. On va pas... on va y aller comme un porc. Ouais, ça pique, ça pique, ça pique. Ah, ça pique, est-ce qu'ils vont arriver à temps? Ouais, ça paraît chaud. Non, non, ils vont pas arriver à temps. Puis ils sont obligés de faire des mouvements de merde. Stop les gars, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, stop, arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous foutez? Stop, merci. Bah, alors, bah du coup, ouais, on a pas de... Ah, on a terminé un siège, parfait. Pause. Si tu te déplaces sur Dagalpour... Ah oui, non mais ouais, ça va être peut-être un peu chaud. Quoique. Ouais, il y a 50 000 hommes. Est-ce qu'on peut choper ce con-là? Non, ici on peut pas le choper. Bah, il me faudrait un général potable. Genre toi, voilà.
Moi je peux arriver, hein. J'arrive à coche là quasiment et après je déclenche la marche forcée et je suis là rapide. Ouais, et puis je peux éventuellement rapatrier des troupes aussi ici. Bon, il y a toujours les 33 000 jumpounets victorieux là qui se rabattent, mais... Vas-y, je surveille. Marche forcée, c'est parti. Voilà, il y a 59 000 hommes, on y va à 34 000. On n'a pas peur, quoi. Ouais, oh, j'espère putain, que je vais arriver assez vite. Comment on prend cher, par contre. Oh, Ça va être tendu. Bon, ce siège-là... Ah, surtout qu'il y a 7000 hommes qui arrivent. Tu peux pas en envoyer d'autres dessus, ouais, non, ça va être chaud. Si, j'en envoie, hein. Pas en envoyer d'autres, la rapidos. faut gagner des guerres à un moment, des batailles, surtout que c'est une guerre sainte. Ah, ça va être chaud. Ces renforts sont arrivés, mais ils sont plus que 11 000, est 53 000 quand même. Ouais, il abandonne. Il s'est replié, parfait. Alors par contre, petite pause, le temps de réorganiser les troupes. Donc le mec, lui, il remonte. Il arrête sa marche forcée, il remonte. Bah lui, il va se refaire là 2 secondes. Alors, le jaune pour, il est là en train d'avancer, très bien. Ils sont un siège. Lui, il se replie à l'autre bout du monde. Très bien. On va ramener un petit peu de troupes fraîches. Alors est-ce que je peux passer? Je peux pas passer. Ouais, je suis obligé de lui taper dessus. Malheureusement. Donc on va aller là. Bon, c'est une belle victoire. Félicitations. Pas dire le contraire. Il y a un fight. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est toi qui poursuis des gens. Ouais, alors je vais peut-être arrêter. Je sais pas qui c'est. Ouais. Faut que je consolide un peu si tu veux qu'on avance. Non, mais c'est que je vois pas qui. Je pense que ça doit être de la merde, mais dans le doute. Ouais, vas-y. Ouais. En fait, c'était 1000 hommes. C'était 1000 hommes, ouais, bon, bah, voilà. Hein. C'est la vie. C'est pas grave. Bon, ici, on a moyen de prendre en sandwich 34 000 jaunes pourrées. Il me faudrait un commandant par contre. Ici, ouais, bon, ce siège, pour l'instant, on peut le laisser tomber. On va avancer là. Ici, on va s'arrêter. On va prendre un commandant. Tiens, bah, toi, tu sers à rien. Et on va se préparer à leur sauter dessus. Il se replie, il est pas con. Bon, on va avancer aussi. Donc là, stop, pause. On va s'arrêter ici. Toi, tu traces. Tu traces. Ils vont tenir eux, même s'ils ont pas de commandant. En plus, le jaune pour, bah non, le jaune pour va pas avoir de pénalité puisqu'il traverse. Il a un commandant. Oui, je n'économise pas du tout mes réserves avec des mouvements comme ça. Putain, ça va être tendu. J'espère que je vais pas arriver juste au moment de la défaite. Non, je vais arriver juste après la défaite pour lui mettre une tatane. Enfin, encore que, c'est relatif. Ici, il faut qu'on avance par contre, on a besoin de troupes par là-bas. Non, vous allez là. On va vous envoyer des renforts, parce qu'il y en a besoin. Ça fait peur hein, des fois à cause des forts, tu cliques pour aller sur des trucs, tu vois les boucles qu'ils proposent de faire pour contourner, c'est juste hallucinant des fois. Ah, il est en train de dessiéger la capitale là-bas. Là. Il va falloir envoyer des gens s'en occuper, ça, malheureusement. Ah, j'ai perdu tellement d'infanterie. Vous avez fini de vous replier. Allez hop, remontez au front, les gars. Bon, ces forts tombent quand même plutôt bien. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Sérieux, qui vient faire des sièges chez moi? Ah, c'est la transoxienne. La blague! Bah écoute, j'ai envie de dire, sauf si ça te dérange, il peut s'amuser, hein. Non, mais j'ai 80 000 hommes qui s'ennuient, donc je vais remonter 40 000 et puis il va se calmer, hein. Défection de marchands, le mercantilisme est une bonne chose, oui. Bon, il va reprendre la petite capitale de l'autre débile, hein, c'est pas grave. Hop, oh, les contours, quoi, non mais c'est n'importe quoi. Putain, les forts, sans déconner, hein. J'ai déjà plus qu'à 3000 de réserve là, par contre, c'est un peu le drame. Il me manque encore 22 000 hommes. Je vais regarder si je peux pas taxer un peu aux nobles là.
Exiger plus de troupes, perdre 15 en loyauté. On va les faire cracher les nobles. 25 000 de réserve militaire, c'est pile poil ce qu'il me faut. Allez, là ça peut peut-être tomber en haut là, ce serait cool. Ouais, c'est tombé, parfait. On avance. Alors, normalement, ces grosses armées devraient être dans le coin, je pense. Donc on va se méfier quand même dans le coin, là. Pas faire nimp. L'Afghanistan a fini sa guerre, du coup. Ah oui, il a fini sa guerre. Enfin, il a fini sa guerre contre la Transoxiane, plus précisément. Ouais, et je suis un peu isolé avec mes 29 000 hommes aussi, ça m'ennuie un peu. Vous allez là, vous allez là, voilà. Allez les mecs, en avant. Un émissaire étranger insulte Dramalapdu 1. Je le comprends avec un nom pareil. C'est l'occasion de ne pas se mettre en colère, bien sûr. Et de gagner un peu de karma par la même occasion. Là, pour arriver à le prononcer... Eh, t'insultes pas mon roi, hein, ça suffit. Alors, un petit stack wipe, c'est cadeau, ça fait plaisir. On va essayer de s'occuper de ces 4000 hommes qui traînent, ce sera fait. Pareil, j'ai une stack wipe, c'est 3000 hommes qui se baladaient chez moi. Voilà, ça l'apprendra à faire le malin. Ah, il se barre, l'enfoiré. Bon, par contre, on va rapatrier quelques troupes. Oh, bah, y a Pass qui fait des fights en haut, il arrive. Salut. Merde, putain, y a des rebelles, hein. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons. Fort chier, ils sont sur le chemin, quoi. Vas-y, Oirat, fais-toi les rebelles, là. J'ai pas envie de me les faire. Bon, bah, on sert à rien ici, donc... Pour l'instant, on va rester là. Non, ça c'est bon. On va essayer de prendre les provinces du jaune tour pour qu'ils recrutent plus de troupes. Ce serait cool. Si on va rester à piller 2 secondes ici, on va pas trop s'éloigner. Bon, par contre, oui, si j'ai encore une armée en renfort pour d'éventuelles rébellions qui décideraient de faire chier le monde, et ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que je peux me permettre de claquer des points? Je vais vérifier vite fait, excusez-moi. Au niveau de tech, on est à 130. Au niveau absolutisme, on est à 80 sur 80, malheureusement. Donc on peut pas faire de miracle. Ça sert à rien de claquer des points pour ça, donc tant pis. On claquera des réserves, c'est la vie. Ah, ça, ce siège est fait. Donc il a plus de fort. Enfin, sauf celui qui traîne au milieu, mais qui sert à rien. Le jaune pour n'a plus de fort. Donc maintenant, ça va juste être une question de buter les petites merdes qui traînent. Ici, l'autre il s'est occupé des rebelles, donc on avance. Alors il y a 45 000 transoxiens qui se pointent en haut quand même. Hein. Faut faire attention. Et ouais. Le biapas s'est pris une fessée visiblement. C'est un peu dommage. Pourquoi je peux pas passer par la... Ah non, c'est les territoires sauvages, pardon. C'est pour ça que je peux pas passer par la Transoxiane. Bon, je vérifie un ou deux fois que, mais non, y a pas de merde à prévoir dans le dos. Ça, c'est cool. Il arrive pas à faire son siège, le Yarkand, là. Avec toi, c'est ouf, quoi. Vous êtes 44 000 et ça tombe pas. Allez, on va prendre Delhi. Ici, on peut peut-être se scinder un coup, non? Je pense qu'on peut se permettre. Donc là, on va là, on va avancer par ici. Je vois plus ces hommes, malheureusement, à la Transoxiane. Je sais pas où ils sont. Ah la vache, comment c'est hyper long de se balader dans les montagnes du Tibet, par contre. Ouais. Belle forteresse naturelle. Ouais, c'est clair.
Allez, si on avance, on va te laisser finir les derniers sièges. J'aimerais bien que lui arrive par contre, voilà. Ah, il va y avoir un fight. Avec qui? Qui c'est qui se déplace vers moi? Non, personne. Très bien. En plus, il t'illustre bien ça, parce que les troupes, quand elles sont sur Shigat, là, je sais pas si tu vois, elles sont toutes à droite. Du coup, si tu veux aller sur la province de gauche, bah faut que tu traverses vraiment toutes les montagnes. Hein. Y a pas de demi-mesure. Non, c'est clair. Ah bah je vois que tu vas à Kumon, donc je vais faire demi-tour du coup. Ah pardon, oui, remonter quoi. De... Oui, non mais oui, tout à fait. T'as tout à fait raison. Je peux tenter de capturer l'Himalaya, mais ça va être dur. Hein. Je suis fortement déçu par tes capacités offensives. Ici, on peut faire une revendication à la faire. J'essaye. J'ai même pas envoyé un mec faire un réseau d'espionnage chez nos ennemis. C'est pas très opti tout ça. J'espère qu'elle va tomber la capitale, voilà. Ah non, on a perdu un conseiller. Non plus c'est notre conseiller militaire. Qu'est-ce qu'on a? Discipline plus 5, bienvenue. Alors ici vous faites rien les mecs. C'est un peu ballot, j'ai envie de dire, vous allez avancer. Bon, je pense que la Transoxiane, elle est un peu en mode, elle lâche l'affaire, là. Ils sont en train de taper doucement sur Biapas, mais c'est pas ouf. Donc soit elle va réapparaître quelque part chez moi en ayant fait tout le tour, soit chez toi. Je la vois, la Transoxiane, elle est au nord, là, chez elle. Ah ouais? Je la vois. Ouais, il y a 48 000 hommes au sud de Taraz. Ils sont à Tayas. Ah, ils doivent poursuivre Dali, non? Ouais, c'est ça, ils remontent sur Dali, ouais. Ouais, c'est pour ça que je les vois pas, parce que... Ah oui, ça y est, je les vois. Ils sont rentrés dans une province occupée, je les vois. Bah écoute, hein, s'ils veulent courir à 50 000 hommes pour poursuivre les 10 000 mecs de ton vassal, moi, franchement, ça me dérange pas. Ouais. Si on va se regrouper un peu... Alors, bon, on va peut-être regarder un peu ce qu'on pourrait faire comme paix. Parce que bon, la Transoxiane, j'en ai un peu rien à foutre, hein, techniquement. Moi, ce que je veux, c'est humilier le jaune pour... Offrir, non? Attends, je vais pas lui offrir des trucs, vous êtes fous. Voilà, donc humilier, on peut. Des repas de guerre, ça enfonce un peu l'humiliation. Est-ce qu'on prend des territoires? Est-ce que tu veux des territoires, mon cher? M'en donner un, mais c'est tout, hein. Ouais, parce que une fois que j'ai fait ça... Alors peut-être que ce serait plus intéressant de prendre son blé. Ah, il a 1100 de blé. Sachant que je vais attaquer le Bengale après dans la foulée pour lui prendre au moins ce qui est à droite, là. Ouais, bah faut prendre un territoire, on prend les 1100 balles, on prend les humiliations, la réparation de guerre. Ça me paraît propre, hein. Et goodbye. Allez hop, ça c'est fait. Voilà. Hop là. Enfin, moi le malin, John Pour, là. Hein. Et du coup, bah je pense qu'on va même pouvoir faire tout de suite cette paix, hein. Alors par contre, ça on le donne à mon vassal, on a dit... C'est Marwar, hein. Marwar, c'est ça. Voilà. Nagora, qui avait eu la bonne idée de soutenir l'indépendance de Marwar, va se faire bouffer par Marwar, voilà. Ah, tu me l'as pas donné son territoire que j'avais pris là? Ah, d'accord, je croyais que tu me le donnais en fait. Non, je pouvais en prendre qu'un seul. Que j'ai... Enfin, une petite merde en fait. La petite merde que j'ai prise qui est. Ok, 11 quand même. Pourquoi il voulait pas que je donne autre chose? Non, en fait, en prenant les sous, je pouvais choisir qu'un seul territoire, ou deux, je crois. Et c'était que des trucs. Ouais, c'est pas grave. Pas très important. Eh bah, tant que j'y suis, qui c'est qu'il est avec qui qu'il est allié, le Bengale? Ah bah, le Jaunpur, qui viendrait dans la guerre. Bah écoute, on peut recommencer si tu veux. Attends, du coup, il faut vite fait que je rapatrie le diplomate, parce qu'il y a 40 000 hommes qui viennent de gueuler chez moi. Là. Non, mais vas-y, on peut attendre 2 minutes, parce qu'il y a aussi Malois qui viendrait, et le Yarkand. Ah, il veut pas encore qu'on le bouffe, hein. Il veut pas encore qu'on arrête la guerre, machin. Il va falloir qu'on tabasse un peu la Transoxiane encore. Yarkand. Bah, si y'a que ça. J'ai envie de dire. Ah, il est allé au Yarkand. Mais c'est pas ton allié, le Yarkand. Le Yarkand avec un Y ou avec un J? Ah oui, pardon, ça doit être le... Attends, la vache, c'est 60 000 mecs qui sont rebellés en fait. Ouais, alors là par contre, il va falloir qu'on se replie un peu, les gars. Yarkand avec un Y. Ouais, donc le Yarkand avec un Y, c'est le truc à côté de la Transoxiane au nord. Là.
Bon, c'est pas ouf, hein. Ah ouais, ce truc blanc. Ouais, bah il va falloir qu'on rapatrie encore une armée, je pense. Donc vous descendez. On va t'as besoin d'aide ça. Toujours ou Bah en oh. fait, il faut pousser un peu sur la Transoxiane. Elle fait la gueule. Eh ben go. Je peux plus rivaliser le jaune pour, c'est ça que vous me dites? Ah non, je peux plus rivaliser le jaune pour, très bien. Bah on va juste gérer ça vite fait. Virer l'embargo là. Et puis rivaliser quelqu'un d'autre. Allez. C'est quand que je peux lui envoyer quelqu'un? Pour m'insulter. Ou t'as eu des rébellions chez toi? Ah oui, justement, c'est pour ça que je rapatrie des troupes là. Il y a 67 000 hommes qui se sont soulevés. Bah, les 30 000, je peux les gérer. Voilà. Ah, plus... Non, mais de toute façon, faut qu'on arrête l'épisode là. Je voulais juste virer l'embargo avant parce que comme ça, j'y pense. Et prendre un rival, je peux pas parce que je suis en guerre. Très bien. Bah, si tu veux t'en occuper, avec plaisir, hein, mais de toute façon, pas obligé. Hein, je peux. C'est pas trop un problème. Ça pique, mais sans plus, quoi. Soit tu sais où sont les mecs du. Pourquoi je peux pas. Ah, mais il y a un fort ici. Bon, on va assiéger ce fort. Ouais, du coup, on va arrêter l'épisode là. Je pense. Ouais. Donc, prochaine fois, on va s'occuper des rebelles. Hein, parce que oui, c'est important de s'occuper des rebelles. Et puis, on en finit avec cette guerre. On bouffe Nagora. Ça et, bah, on... et on se refait peut-être une guerre avec le jaune pour du coup. Mais merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.